Alors, je vous présente la nouvelle troisième main. Elle pèse 650 grammes. Elle vient s'attacher comme l'autre avec un système d'agrafe de chaque côté. C'est qu'elle vient, l'assiette vient aussi s'insérer tout simplement. Elle est bloquée. Alors, pour couper ma viande, vous voyez, je viens insérer ma fourchette dedans. Je fais le pressing. Je vais l'orienter différemment pour pouvoir la couper. Repressage. Et vous voyez, je peux couper ma viande avec une seule main. Alors, ce système pour manger un avocat. Okay. Je viens insérer mon avocat dedans. Et maintenant, vous voyez, j'ai plus qu'à manger mon avocat. Alors, ce système, c'est pour pouvoir écaler un œuf ou éplucher une mandarine. Alors, vous voyez, je l'oriente selon mon besoin. Je tapote un peu mon œuf et je viens l'écaler. Il va épouser la forme de ça. Sinon, je peux mettre aussi une mandarine, vous voyez, dessus. Je vais l'éplucher au fur et à mesure en la tournant dessus. Alors, vous voyez, pour manger un œuf à la coque, je vais d'abord mettre en place mon système pour pouvoir beurrer mon pain. Je vais beurrer mon pain avec l'autre main, voyez, et je peux aussi couper mes tartinettes. Alors mon système pour pouvoir manger mon œuf à la coque, voyez. Alors je repose mon œuf sur ce système et avec ceci, je vais pouvoir entailler mon œuf à la coque. Alors ce système, c'est pour pouvoir manger des fruits de mer comme tout le monde. Vous voyez, je viens l'insérer comme ça. Une crevette, par exemple, je viens la mettre dedans et vous voyez, avec une seule main, je vais pouvoir décortiquer ma crevette. Alors, pour manger une huître, vous voyez, j'ai transformé une fourchette à huître. Je viens couper la partie du nerf et je pourrai gober mon huître. Alors, pour maintenir une saucisse, j'ai ce système. Vous voyez que je viens insérer et je prends ma saucisse. Alors, pour éplucher une banane, toujours le système qui est utilisé pour écaler les œufs tout à l'heure. Et vous voyez, je peux avoir ma banane. Et je vais éplucher ma banane avec une seule main. Alors, pour manger mon potage, par exemple, je viens insérer mon assiette. Elle va se retrouver en biseau pour que le potage descende en bas. Et sinon, je peux aussi l'utiliser pour manger des pâtes. Ou je vais venir les tourner dans ma cuillère.